Salut les copains, bienvenue pour ce tout nouveau vlog. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il fait un temps vraiment pourri. Donc du coup, on est au bureau. Donc on devait sortir en mer aujourd'hui. Et puis finalement, il y a de l'orage. Il pleut. Donc voilà, encore un temps pourri. Donc j'espère que l'été arrivera un jour. Surtout, j'espère qu'il va arriver vite vite. Parce que semaine prochaine, c'est l'ouverture de la pêche du thon. Donc on espère pouvoir sortir quand même. Et surtout que les dentilles sont sorties de frais. Donc ça serait quand même bien d'aller voir si les gros pépères sont encore sur poste. J'espère que la prochaine vidéo qu'on va vous présenter, ça sera une petite vidéo pêche en mer. J'en profite pour faire ce petit vlog un peu presse. Donc j'ai vu un truc assez sympa sur la pêche et les poissons, les fonctions avancées des sondeurs. Donc voilà, je vous invite à découvrir. Si vous avez des questions sur les sondeurs, n'hésitez pas aussi à nous les poser en commentaire. Mais voilà, un article assez sympathique sur l'intérêt de la cartographie, sur comment régler vos sondeurs, sur comment utiliser AutoChart. Je vous invite à le découvrir, la pêche et les poissons de ce mois-ci. Je l'ai reçu ce matin. Merci à Kikikano. Le nouveau côté pêche avec dedans un super article de Morgane, la pêche du bar en kayak. Donc voilà, un super article qu'ont fait les copains Momo, François et Kéké. On va faire des petites cours d'eau en kayak pour pêcher le bar, enfin le loup du coup chez nous. On se régale parce que c'est des combats de fou et voilà, sur des poissons qui sont rarement pêchés. Comme vous voyez, le Kéké ici, François dans le coin et surtout, surtout, du swat, du swat, du swat et du swat. À l'heure, voilà, qui fonctionne vraiment super super bien pour la pêche du bar. Petite dédicace ici à Navicom Fishing avec une super pub de mon Ludo. Un magazine vraiment super intéressant, toujours livré avec le petit DVD. C'est avec les frangins Goletto sur une pêche en kayak aussi, donc je pense que ça va être assez sympathique. J'en profite surtout de ce vlog pour vous présenter deux choses. La semaine prochaine, il y a de grandes chances que notre copain le T6 parte. Donc voilà, il va regagner Nantes ou sinon il va peut-être être pris par quelqu'un de la pêche. Donc pour l'instant, j'en dis pas plus, mais voilà, vous risquez peut-être de le voir toujours dans la pêche. Je croise les doigts. Après, donc je vais partir quelques jours en Belgique pêcher avec mon Thierry les grosses truites. Donc là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que Thierry commence à refaire les grosses truites. Vraiment hâte d'aller faire un tour en Belgique et puis après je continue le périple, je vais aller faire un petit tour en Roumanie. Donc voilà, on va essayer de travailler sur les nouveaux prototypes et notamment les nouveaux coloris avec Tony pour vous présenter tout ça dès 2019. Donc sûrement peut-être avant une scoop, mais on verra. Et en même temps, préparer quelques trucs assez sympathiques pour le catalogue de la lampe 2019. Je prendrai la caméra, bien entendu, pour vous faire quelques vlogs par-ci, par-là, durant tout ce trip. Puis au retour, normalement, je devrais accueillir Benoît Simon de Pêche en Mer pour un reportage assez sympa, du coup, sur la pêche en mer. Je pense qu'on fera un peu de thon et je pense qu'on fera un peu de danse. Donc, des semaines à venir assez chargées. Et surtout, on va vous faire une série de présentations des leurres souples et des produits de la gamme de l'Orne. Donc on va essayer de tous, mais je dis bien tous, les passer en revue. Donc voilà, dites-nous en commentaire sur quel produit vous voulez qu'on commence. Et donc toutes les semaines, on vous présentera un produit de la gamme de la Lande avec la nage, avec les techniques qu'on utilise, avec les différents poissons qu'on peut capturer avec ces produits. Donc ça peut, forcément ça sera sur les leurres souples, mais ça sera aussi sur les têtes plombées, sur les spinners. Vraiment, on va essayer de passer en revue toute la gamme pour après pouvoir les mettre directement sur le nouveau site internet de Lande. Donc si vous n'avez pas été... allez faire un petit tour sur le nouveau site de Lande, vous allez voir, il a pas mal évolué et donc il reste des vidéos de présentation des différents produits. Donc c'est ça qu'on va commencer à faire et donc du coup on va vous emmener avec nous pour pouvoir réaliser tout ça. Donc dites nous en commentaire quelle leurre ou quel produit vous voulez commencer à voir et puis voilà, on va tourner les vidéos associées et vous présenter tout ça, on espère, dans la globalité et d'une manière la plus technique possible. Donc voilà les copains, je vous dis à très vite pour j'espère une bonne partie de pêche en mer et puis après pour le départ d'un nouveau petit trip bien sympathique d'une bonne petite semaine. Allez les copains, à plus tard.